Ça vous dit rien, Mera? Est-ce qu'on était nés? Hein? Bien sûr, parce que ça fait 3 ans. On est nés, c'est celui qui a tué des enfants dans une école. Tout à fait. Il a tué mon fils. Il a tué mon fils froidement. Il y a un problème avec nos jeunes. Ils ont besoin d'aide. Moi, je ne suis pas une femme politicienne. Juste une mère de famille qui a fondé cette association. Et chaque jeune qui a besoin d'aide, je l'aide. Il faut que j'imprime et que je vois pas le haut et en bas. Et moi, je vois ça à l'éducation nationale. Je m'appelle Madame Ibn Ziaten Latefa. Ce n'est pas un voile que je porte, monsieur dame, c'est un foulard. Un foulard, quand j'ai perdu mon fils, c'est le deuil. Est-ce que ça vous choque, le foulard? Non. Aujourd'hui, si on a peur, on n'avancera pas. Alors, il faut briser les barrières qu'on a à l'intérieur. Je sais que ce n'est pas facile pour les jeunes comme vous, mais il ne faut pas arrêter là. Il y a aussi ces gens de cité qui réussissent. Il faut garder l'espoir. D'accord. S'il y avait plus de gens comme vous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. On a toujours un moteur à l'intérieur de soi. Et ce moteur, il n'y a personne qui peut le démarrer, à part vous-même. Vous pouvez réussir. Vous êtes la lumière. Accrochez-vous.